Vous voulez vendre un produit, écoutez les problèmes des autres. Ma personne, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te réserve une petite surprise. Alors, la stratégie c'est quoi? 1. Quand il vous dit que les pauvres sont égoïstes, il n'y a rien de plus égoïste qu'un pauvre. Parce que le pauvre ne pense qu'à lui, qu'à son ventre. J'ai les problèmes, ça ne va pas, je veux. Sauf que l'égoïsme apporte plus d'égoïsme et les gens n'en ont rien à cirer de vos problèmes. Si vous voulez gagner de l'argent avec des formations, votre priorité, ça doit être d'apporter de la valeur. Si vous venez juste pour l'argent des gens, ils vont le sentir et personne ne va acheter. Apportez de la valeur et je vous rassure, vous gagnerez de l'argent. Donc ça, ça va être le premier point. Si vous voulez vendre vos formations, il faut qu'elles soient puissantes, qu'elles soient piquantes. Quelqu'un soit là et dit oui, j'ai eu ce que je voulais et maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer pour gagner de l'argent. Donc vous devez apporter de la valeur aux autres. C'est super important. Vous avez une connaissance, vous avez une compétence dans un domaine. Apportez de la valeur aux autres. Et vous en remercieront. 2. Investir en vous-même. J'aurais même dit que c'est le premier point. Parce que pour donner, il faut avoir. C'est clair et possible. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, investissez d'abord en vous-même, en vous formant. Parce que si aujourd'hui, je réussis à concevoir des formations, je n'ai rien inventé. Hein. Je suis allé me former chez les aînés qui ont les résultats que je souhaite atteindre. J'ai capté la technique, j'ai développé, j'ai mis un peu à ma sauce. Et j'ai aussi commencé à transmettre. 3. Bâtissez une communauté. Bâtissez une communauté. Le meilleur moyen de vendre un produit ou un service sur Internet, c'est de bâtir une communauté. Pire encore si tu es en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu as fait la publicité, les gens vont regarder, ils vont dire, mais lui c'est qui? Lui c'est qui? Pour nous aujourd'hui, c'est assez simple. On a créé le groupe Telegram. En moins d'une semaine, on était 900 dans le groupe Telegram. On avait une communauté de personnes qui nous faisaient confiance. Du coup, ça devient beaucoup plus simple de monétiser ce qu'on fait au quotidien. Mais nous, ça nous a mis 4 ans. Et aujourd'hui, mon but, c'est de vous éviter de mettre ces 4 ans-là pour commencer à gagner de l'argent à partir de vos formations. Oui. Donc, cherchez à bâtir une communauté. Toutes les entreprises au monde qui font de l'argent ont une communauté. Apple a une communauté de personnes qui utilisent le produit Apple. MTN a une communauté de personnes qui utilisent le réseau MTN. YouTube a une communauté de personnes qui vont sur YouTube. Et lorsque vous êtes dans une communauté, et lorsque vous avez créé votre propre communauté, ou lorsque vous appartenez à une communauté qui a déjà une certaine crédibilité, la crédibilité de cette communauté-là déteint directement sur vous. Je vais vous prendre un petit exemple. Récemment, très souvent, lorsque les gens de la Startup Academy me contactent, ceux qui sont membres de la communauté de la Startup Academy me contactent, ils précisent toujours: bonjour Valère, je m'appelle Tartompion, je suis un membre de la communauté de la Startup Academy. Tout se commence par là. Et dès que je vois ça, je me dis ok, d'accord, je veux lire ce qu'il va raconter après. Mais si tu me dis que tu es rotu, je m'en fous. Mais quand je vois que je suis membre, je me dis ok, c'est quelqu'un qui est un peu stable, il sait où il va, je veux un peu lire ce qu'il va me raconter. Je reçois un peu plus de 100 messages par jour. Des fois, je lis, je ne réponds pas. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Sinon, après moi, je ne vis plus. Entre ceux qui viennent tout et disent je veux. Les égoïstes, on n'a rien à vous donner. Donc, soit vous intégrez une communauté, soit vous créez votre propre communauté. Et qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les gars se présentent en disant je suis chercheur d'agent certifié, on sait qu'ils viennent d'argent libre, ça lui donne quand même un certain poids. Donc, si vous voulez vendre vos produits, commencez par là. Voilà, là on rentre dans le cœur du problème. Vous voulez vendre un produit, écoutez les problèmes des autres. Chose promise, chose due, ma personne. Comme convenu, la petite surprise que j'avais pour toi, c'est que la vidéo que tu viens de regarder, c'est un extrait de notre formation de très haut niveau qui s'intitule « Comment concevoir une formation de qualité et la vendre ». Donc, si jamais tu veux bénéficier de la version intégrale qui est totalement gratuite de cette formation de très haut niveau, je t'invite vivement à cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo ou sur le lien qui est juste au-dessus de cette vidéo. Sur ce, ma personne, je te remercie de m'avoir écouté. Je m'appelle Valère Belias, le chercheur d'argent. Je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.